ما زو فيهم بجرات وش جاس برا كاع ملحم كي تسيدي مصاب شويه بو محرز ايوا شو محرز دي وساره بو سخسنت لي جيتمو لي جورناليست سخسنت في الكلام محرز ايوا شو محرز اللي با فوني كيس كيس باس منا ومنا تراديكتور هذاك اللي ستريسي اللي مقلق اللي تي با بري بور On ne va pas dire qu'il ne connaît pas l'italien, ou qu'il ne connaît pas le français, ou qu'il ne connaît pas l'arabe, mais le stress et tout ça, je sais pas, il n'a pas l'habitude peut-être devant, comme ça, des journalistes et tout ça. Ça arrive. Il est passé à côté. Il dit que Mahrez. Mahrez, il m'a appelé. On a parlé ensemble et tout ça. Il dit que Mahrez, il lui a dit que je ne suis pas en forme. Et. Mon niveau encore, je ne l'ai pas retrouvé depuis la Coupe d'Afrique. Et j'aimerais bien un temps de réflexion concernant mon avenir. Et l'avenir, c'est-à-dire international. Est-ce qu'il veut dire, ou l'aimer, ou l'aimer, ou l'aimer, terme à sa carrière. Maintenant, il met terme à sa carrière, on respecte son choix. Avec tout le niveau qu'il a montré les deux dernières années, il a tombé, je suis à Brick. Bon, on y verra la situation au jour le jour. Quelqu'un chauffe la main. Ça dépend, jour le jour. La porte de sélection sera toujours ouverte, même aux joueurs qui ne seront pas présents lors de ce stage. Gel Pitkovic, la porte est ouverte. Beb Mahloula, le gars de l'Aïbé, il peut être duro et yatou idafa le Farik Rawatani. C'est clair. Voilà. Maintenant, sur les absences de Slimani Belayli, Faouli. Gel pour Slimani, pour Belayli, pour Faouli, la porte est ouverte. Mais ils font face à une concurrence très importante. Mais il y a de la concurrence. En quelque sorte, il y a mieux que vous, ou bien je vais essayer d'autres joueurs, parce que vous, vous n'avez rien donné de plus. À part Blaili Chouya. Blaili Chouya. Mais ils font face à une concurrence très importante, et il y a d'autres joueurs à leur poste qui méritent d'être là. Voilà. Slimani, je le connais. De parler avec lui, quelqu'un à l'info, ou à d'autres mains, c'est un joueur de haut niveau. C'est un joueur de haut niveau. Mais Terraz l'Ali, Texahas, les manières, il a deux pieds gauche. Il y a certains joueurs, dont lui, pour lesquels il est important qu'ils se focalisent sur leur club pour l'instant. Parce que Slimani l'a changé récemment, parce qu'il a quitté le Brésil, il est parti en Belgique et tout ça, mais il a changé récemment le club. Mazal, il faut d'abord se focaliser sur son club, après il pense. Sur le retour de Brahimi, Brahimi est un joueur qui n'est pas à présenter. Quelque Brahimi, il faut regarder. Rani Atarif. Si je l'ai retenu, c'est tout simplement grâce à ses bonnes performances avec son équipe. Il n'a pas été appelé depuis très longtemps en équipe nationale. J'ai envie de le voir dans l'équipe pour me faire un avis. J'ai envie de voir Brahimi face à face dans l'équipe pour décider est-ce que Brahimi, je le garde dans mon plan ou non. Voilà, c'est tout. Je veux voir des joueurs. Je vais encore le voir au tournoi de FIFA, le tournoi du mois de mars. Et on espère qu'il va montrer le même visage qu'avec son équipe. On va le voir là. Dans les deux matchs contre la Bolivie et l'Afrique du Sud, j'espère qu'il va montrer le même niveau qu'il a dans son club, ça veut dire qu'il va revenir au mois de juin. S'il ne montre pas ce qu'il attend de lui, il ne reviendra pas au mois de juin. Sur le cas Adli, Yassine Adli est un sujet récurrent. Et vous l'êtes toujours. Ce qu'il a dit n'importe pas. Je préfère le haut niveau, on apprend ça. N'importe pas. Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est qu'il joue à l'AC Milan. Ce qui est important, c'est que c'est un joueur qui joue dans un grand club. Et moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Bon, franchement, Adli ne veut pas jouer avec l'Algérie. Moi, je ne le ramènerai pas. Il joue bien. On ira manger ensemble, lui et moi. Et pas forcément pour parler de la France ou de l'Algérie. C'est pas forcément de parler de ma sélection et tout ça, mais on va parler. Si, si. Vous avez parlé de la sélection officielle. Ben oui. Tu vas pas lui dire, du sel, non, du poivre. Non. Voilà, c'est tout. Hein? Voilà, faire tout maintenant. Hein? Slimani, Faouli, Belayli, tout ça, la porte est toujours ouverte. Mais il y a d'autres joueurs, il y a d'autres. C'est bon, il faut qu'on avance là. Mais bon, aussi. Les Algériens aussi sont. Voilà, des. Nous, les Algériens en général, on l'a aussi pas ce qu'on veut.
Il ramène pas Slimani, pourquoi t'es pas rappelé Slimani? Il ramène pas Mahrez, pourquoi t'es pas ramené Mahrez? Il ramène Mahrez, Mahrez tu joues pas bien. Elle dit c'est bon. Elle est étonnante, Allah. Voilà, c'est clair maintenant. Concernant Slimani, concernant Ibrahimi, concernant Fawoli. Hein? C'est clair? Tout est clair? Ah, salam.